fue yo. Pero eso es toda la cola. Je reste trop spécial. Ah, je vais garder pour demain soir. On va faire un tour. Jeudi soir, je vais la chercher. On a eu un souci hier soir. On a cassé la pompe à huile. Il a fallu ressortir tout le moteur. Il prend cela aussi, je suis 15. Quel numéro 27. Avec tous les documents originaux. Ok. Avec conduit, avec ça, etc. Même si le dossier est complet. Voilà. Ok. D'accord. Écoutez, on vous souhaite bonne lecture. Ouais. Bon courage, vous pouvez déjà préparer la voiture. Et puis si vous avez un souci entre temps, n'hésitez pas à revenir parce que nous, on est là jusqu'au début de l'année. Ok, c'est okay. À mettre sur la rue Superu, côté quatrième dodane. Sur le pare-brise ou sur la glace? Sur le pare-brise. Sur le pare-brise, en haut à gauche alors. Voilà, en haut à gauche. Et... merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir. Là, voilà, c'est bon. Allez, merci pour l'invitation. Allez, elle est bientôt. À demain. Vous vous en seriez rendu compte parce que c'est au 2-3ème passage. Voilà, quel numéro 65. Alors, et deux points. Il y a une petite erreur dans le redout, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais de toute façon vous l'aurez compris. Parce qu'au troisième, au deuxième passage dans le SCF, on a fait une erreur. Et la mairie, pour l'administratif, a changé, vous verrez, c'est à la mairie. C'est avant juste le passage à niveau. Ça, c'est pour. Ah ben ça, vous le remplir, ça. 20 sur 20. Là il fait 20 sur 20. Oui. Donc là j'avais bien mes 20 mètres, j'étais ok. Donc il ne fait plus que 20 mètres celui-là. Donc on avait pensé à la limite pour une sortie de secours là et là. D'accord. Ouais, impeccable. Ouais. Bon, en même temps, il va falloir faire le plan de ça. Ça va, ça fait. Je démarre d'ici pour laisser la place pour les camions qui vont sortir. Ouais. Voilà. Par contre j'arrive là-bas, ça fait pas trop loin. Il y a encore des voitures dedans, c'est pas possible. Non, on va mettre une celle qui fait 450 mètres carrés à peu près. Ouais. Hein ouais. Fait 450 mètres carrés. Ouais. Une autre 30 comme ça. Oui, ouais. C'est la buvette. Elle est un peu plus petite. Hein. Si le final arrive ici, est-ce que ça vous gêne pour votre commerce? Quoi vous dire parce que je vois pas trop la disposition que vous allez avoir. Ici jusque là-bas ça sera fait, c'est un chapiteau. Voilà, là ça va être tout libre. Non, c'est bon, hein, c'est bon. Non, c'est bon. Non, comment il enseigne. Voilà, c'est ça surtout. Bon, parce que... on va attaquer, il en reste plus qu'une. Voilà, une et deux là-bas, c'est bon. Ah, ça va déménager. Bon, là, ben c'est bon. Jeudi, ce sera normalement donc, terminé. Le parking là-bas, il est ok. Hein, hein. Ouais, ça va être bon. Eh ben. On va y arriver. Comme on l'avait prévu, tout se met en place tout doucement et tout sera terminé demain soir dans les temps et la grande fête commence. Pour nous, elle a déjà commencé depuis 10 jours, hein, la fête, il n'y a pas de problème, tu pourras couper ça. Quand l'équipe d'Ilo Rousse qui travaille bien, podium, ils ont préparé tous les parcs, sont prêts, TAG qui est en train de terminer les chapiteaux et une fois que ce sera prêt, on aura à mettre dedans, donc tout ce qu'on a, des frigos, des télés pour tous les comités. Les comités commencent à arriver demain matin pour se mettre en place. Certains vont pouvoir se mettre en place dès demain après-midi, d'autres devront attendre vendredi matin, mais c'est ce qui se fait dans toutes les finales. Quoi. Non, mais enfin, c'est bien d'avoir l'adrénaline, c'est bien d'organiser. Là, ça fait un an qu'on est sur la brèche et pour 2 jours de course, il nous faut un an de préparation au moins et là maintenant, on est au bout. Nous, demain, on ira installer notre bureau administratif à la mairie. On a commencé, hein, puisqu'on a déjà délivré, donné toutes les sacoches. On a complété, tant qu'on a pu le faire, tous les dossiers existants ici. On terminera donc vendredi au moment des vérifications. Et ça, ce sont les dossiers de toutes les tables. Les pilotes et les copilotes qui vont revenir, nous représenter leurs dossiers. Et à chaque poste, ils seront reçus donc, par un commissaire qui vérifieront une dernière fois s'ils ont bien tous les papiers. Et après, ils pourront partir. Il y a 178 concurrents. Il nous en manque qu'un, le numéro 5, les récalcitrants.
Non, c'est vrai qu'un relief par lui-même, on s'imagine qu'on monte dans une voiture et on lui donne un papier et il s'en va. Non, c'est pas ça. Ça demande beaucoup de travail personnel, ça demande beaucoup de déplacements, ça demande beaucoup de palabres. Obtenir des subventions, obtenir des aides. Il y a l'aspect sécurité déjà sur la route avec différents partenaires. Il y a la gendarmerie, il y a le SDIS, il y a les services préfectoraux, conseils généraux, etc. Et puis après, il y a le côté, je dirais, plus sportif. Nous sommes affiliés à la Fédération française du sport automobile. Et là, donc, il y a un cahier des charges à respecter. Et on s'aperçoit qu'il est assez draconien, il faut le suivre, et ce n'est pas facile. Et ça va même plus loin, on va jusqu'à l'hébergement, la restauration, etc. Voilà. Pour lui, on vient de l'apprendre à l'instant. Il a cassé le pont de sa voiture avant-hier. Il a essayé de réparer jusqu'à hier, il n'a pas pu. Et ce qui fait qu'il vient de nous appeler en nous disant que c'était trop tard. Il ne pouvait pas réparer, il ne pouvait pas être ici dans les délais, donc il déclare forfait, tout simplement. Et c'est le seul forfait d'ailleurs que nous avons pour la finale. Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Dans le 1, 2 tables, 6 chaises. Voilà. Ouais. Voilà, c'est pour ces photocopies, pour préparer tous les documents de la direction de course. Et là, ça chauffe un peu. Ça commence à chauffer. Chauffe bien, non ? La pression monte. On est là pour ça, hein ? On est là. On est là pour que ça soit bon, hein ? On a une terre magnifique, les concurrents sont tous là, c'est parfait, tous extrêmement satisfaits d'être parmi nous, satisfaits d'être dans la plus belle île du monde. Même les Réunionnais sont très contents d'être là. On va avoir un direct avec les Réunionnais, hein. Un direct radio. Je sais. Et télévision. Ouais. Il y a RFO et tout. 150. Ouais, ils sont 150, il en est arrivé à Gore. Oui. 150 réunionnais sur l'île. C'est pas beau ça ? Ben, tu sais, on est partisans du perfectionnisme. Donc on voudrait que tout cadre comme on a envie que ce soit cadré, c'est tout. Hein. Bon. C'est vrai que si on était un peu jument footiste, la course, elle va se faire pareil. Hein. Mais bon, on aimerait que tout tombe sous la main. Donc c'est la raison pour laquelle on est sous pression, parce qu'on a toujours peur du détail.
le roi. Ça commence à être le coup de chauffe parce que les gens arrivent pour récupérer leur matériel. Ça, c'est l'équipe de sécurité Rubalise du Limousin qui vient d'arriver là. Donc, en plus, il y en a qui sont rentrés par là, d'autres rentrent par là. Donc, c'est un peu. Mais voilà. Alors, ça va se passer. Donc, on a tous les commissaires, les pointeurs et compagnie. Et voilà. Ouais, va voir. Le badge donne entrée pour le restaurant ici pour manger ici. Donc, dès qu'ils n'ont pas de badge, ils vont le faire. À ne pas perdre. Voilà. Les chambres d'hôtel, tu verras ce qu'il est beau. La chambre au Pietra. Pietra, ouais. Au port. Au port, d'accord. Au fond, là-bas. Le PC Temps et le PC Cross, il est à côté. À côté. Voilà, gare maritime. On dort pour là-bas. Alors, il y a plus que ça. Parce qu'à la génération, qu'est-ce que ça ? Il y a plus de 60. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que je l'ai fait manger ailleurs ou pas ? Non. Il y en avait 60 de prévus, donc là il y en a un peu plus. C'est compliqué à gérer tout ça. Donc bah, on verra, on se débrouillera. Oh, bah, le camion, là celui-ci en fait on va le mettre juste ici pour exposer un peu la gamme des pneumatiques compétition en Cook. Donc là c'est plutôt un camion chaud, on va dire, démonstration. C'est-à-dire qu'il y aura un auvent qui va s'installer devant avec un parquet, avec présentoir à pneumatiques, avec des fiches techniques, où n'importe qui pourra justement regarder notre gamme, comparer aussi les prix, voir un peu les informations techniques liées à chaque type d'utilisation. Par contre, on a une deuxième semi-remorque qui, lui, est passée sur le parc d'assistance au camping, où là, on a les machines pour faire du montage, de l'équilibrage, faire du recreusage, pour faire de l'assistance technique pneumatique pour les participants du rallye. Puis on voit si les conditions climatiques changent. Après, bon, y a d'autres conseils à apporter, donc on est là pour aider les équipes à bien choisir leur pneu. Qu'est-ce qui m'a amené ? Allez, on va planter un clou. Allez. Bien, les outils vont se faire mal. On fait pas le tour. Juste, la Haute-Provence vous propose un puzzle géant. Si vous arrivez à construire en moins de 48 heures ce truc, eh ben vous avez gagné le droit de venir skier chez nous, profiter de l'été comme l'hiver de la montagne. C'est terrible. La ville comme à la montagne, la vallée, ça vous gagne. C'est terrible. Allez, hop. On est venu faire une opération de promotion là, à Île-Rousse. Et en plus, on a un équipage du département qui court, Eric Fanguière, qui est parmi les favoris. Donc on est venu faire la promotion des stations de ski de notre département, Pralou, Valdalos, toutes ces stations qui sont chez nous et qui accueillent de plus en plus de Corses notamment. On est arrivé ce matin, ouais, puis on installe là, tout doucement, un petit chalet, puis un petit bistrot de pays aussi. On montre l'aspect à la fois montagne et l'aspect à la fois Provence et Vernon. Chargé de la promotion, on donne la main à la pâte, mais je n'ai pas du tout le temps ni rien, je fais. Voilà, je participe. On verra bien après. Allez, diverti, vas-y. Oh, doit y en avoir être bon. Alors on met les pieds sur la patère en bas et on monte tous en même temps. Main sur les jambes, hanches écartées, on se penche sur le côté.
c'est pas très identitaire hein, quand même. Nous avons essayé d'aller chercher le plus d'essence possible dans la Coutance pour décorer le stand de l'office de tourisme pour pouvoir accueillir les gens et leur donner un petit représentatif de la nature. C'est un peu gauche, mais ne bouge pas. Sinon, c'est l'autre, ça fait que bouger. Je crois que là, c'est pas. C'est si la fille. Hein? T'as l'air de l'aider. Je suis là, t'as l'air. Merde. Alors, c'est pas celui-là. Il y en a encore un, là. C'est une belle île, quoi, hein, l'île de beauté comme on dit, et je suis venu en 99 faire le lac championnat du monde. Ça s'est pas très bien passé, mais là je suis revenu un petit peu pour la coupe de finale de Coupe de France. On était qualifié, donc c'était une pierre à deux coups. C'est vrai que le piège, c'est les bas-côtés qui sont un peu en dents de scie. C'est la grosse difficulté, et puis ça se termine toujours sur du serré où il y a des parapets qui sont un peu cachés par l'herbe et tout. Ça donne un petit cachet particulier. Je crois que c'est la Corse, et ça reste exceptionnel par rapport à tous les autres pays, je crois. Une Opel Astra, Kit Car, il n'y en a pas beaucoup, même en championnat de France. Et je crois que ça, celle-ci, elle est assez exceptionnelle parce que c'est la dernière qui a été construite. On va pouvoir rouler, bien rouler, je dirais, se faire plaisir, mais j'aimerais quand même ramener la voiture entière à La Réunion. Je ne suis pas venu pour ça, je suis pas venu pour laisser l'auto ici. Mais c'est vrai que la configuration des routes donne envie d'attaquer. Bon, il va falloir quand même se temporiser un peu. Ma sœur courait aussi en tant que pilote. Et dans les années 80, mon père aussi donc courait. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Ce rallye va être retransmis quasiment en direct à La Réunion par le biais d'une radio qui a envoyé quand même des journalistes pour avoir des communications en direct et retransmettre à tous les Réunionnais sur Radio Est le rallye en Corse en direct. C'est très convivial, c'est la famille et c'est l'ambiance. C'est une ambiance de fête et à La Réunion c'est très important. Les ballots, il nous en faut 5 dans le village. Ouais. Ou à quel endroit? À Montégrosse. Voilà. Bon, attendez. Pour 5 ballots de foin, je ne vais pas monter à Montégrosse avec le camion. Petite calavie. Ah, c'est petite calavie. Ah ouais, non, mais. C'est que des petites boîtes de 35 kilos. Hein. Attends, ça va pas là. Quand je te dis 5 bacs, moi, c'est des rouleaux de 120. Là, c'est autre chose. Hein. C'est des boîtes de 35 kilos. Hein. Il faut plus redoubler. Parce qu'une 120, il faut doubler les 35 ou aller tripler contre les 1000. Tripler, ouais, tripler.
Donc il te faut au moins 50 bottes. Au premier machin. Il y en a 150 dans le camion. Ouais, non, mais voilà, il te faut au moins 50 bottes. On y va, je vous le dépose, mais on le fait un tour demain matin. Oui, oui, oui. À quelle heure? Donnez-vous rendez-vous à une heure précise. 5h30. Hein? 5h30? Non. Hier qu'on aurait pu faire la finale. Putain, il nous manquait pas beaucoup, hein. Combien il nous manquait? 90 points, il nous manquait. C'est bon, là? C'est bon. Ah oui. Ah oui. Ah. Ça, c'est beau. Ça, c'est bon. Non, et... attends, t'en vois rien, hein. Rien du tout. Où est la pancarte? Où est la pancarte? Putain, j'en vois plus. Bon, attends, là on oublie rien, les pins, tu les as? Non, c'est parti dans la pince. Ouais, regarde. Bon, attends. Sors pas trop. Voilà. Allez, oh putain, on va de l'autre côté, il y en a quatre de l'autre côté encore. C'est pire que les Champs-Élysées. Si tout va bien, il ne devrait pas se perdre. Si tout va bien. Arrivée rouge, 3. J'ai jamais vu un fléchage aussi bien fait que ça. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein. Parce que d'habitude, tu cherches tout le temps et tout. Ouais. Les spectateurs, ils seront exactement par rapport au livre qui a été fait. Tu vas retrouver les couleurs des panneaux dessus. Là, si je tombe assez haut. Hein. C'est bon. C'est bon là? Vas-y. C'est quoi là? C'est du bleu? Hein? C'est du bleu et du rouge. Ah, il est bon. Hein. Ah là, il est bon. Hein. On va se faire arrêter pour tagage de la route nationale. Oui, mais justement, mais moi il est faux pour. Pierre Boy, charge à vous, je dirais, d'ouvrir la route en quelque sorte. Organiser une finale de la sorte en Corse, c'était un pari audacieux, un véritable défi que l'on peut considérer déjà comme gagné aujourd'hui. Oui, comme gagné, vu le nombre de participants, c'est-à-dire que nous avons 177 engagés. C'est le meilleur score de toutes les finales qui ont pu avoir lieu donc, depuis 20 ans. Le plus gros score, c'était à Mazamet, 175 concurrents, donc nous sommes heureux d'avoir pu faire mieux. Folie Touquet, c'est le challenge que nous avons relevé avec la Scuderia Balanine de Jean-Marc et avec Gilles Berdine, qui est le président du comité d'organisation. Il est sûr que ça fait un an que nous travaillons dessus et que bon, tout ne sera peut-être pas parfait, mais nous espérons arriver donc à une superbe finale. Et puis voilà, ça a été très très dur à organiser. Nous encore les autres. C'est là qu'on marque. Voilà. Là, il marque aussi. Ouais. Bon, tu ne sais pas, après, bon, je vais me marquer là. Ça va? Ouais, ça va. Oh, évident. Ça va? Ça va. Salut. Ça va.